comment évaluer le soutien social? Moi, lors de ma rencontre, j'ai posé des questions systémiques. Premièrement, pour savoir est-ce que la personne a un réseau de soutien. Donc, j'ai demandé qui vous aide le plus à composer avec votre maladie ou à modifier vos habitudes de vie. Vous savez qu'il y a la limite liquidien, le poids tous les jours, la diète sans sel, l'exercice. Donc, elle a dit mon frère, ma sœur et surtout mon conjoint. J'ai félicité son réseau de soutien, mais je voulais savoir comment elle perçoit son réseau. Comment voyez-vous le soutien de cette personne? Donc, je voulais savoir sa croyance, sa perception en regard son soutien. Elle a dit, elle a dit que c'est encourageant, aidant et significatif. Donc, c'était positif. Mais parfois, mon mari est trop présent. Il travaille, il m'appelle chaque 30 minutes. À chaque fois, il veut savoir qu'est-ce que j'ai fait. S'il appelle, puis je ne suis pas à la maison, il appelle plusieurs fois parce qu'il veut savoir qu'est-ce qu'il y a, est-ce que j'ai quelque chose, est-ce que je ne suis pas bien. Donc, il m'étouffe, c'est trop stressant pour moi. Donc, ceci m'a aidé à élaborer un pattern circulaire. Donc, il y a un comportement qui va amener à un autre comportement où on va voir qu'il y a un autre comportement. La personne va penser quelque chose, elle va sentir, puis ceci, ça va amener à un autre comportement. Par exemple, le conjoint, il dit à sa femme qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle ne doit pas faire d'exercice, il ne faut pas qu'elle marche parce qu'elle est un peu essoufflée, un peu fatiguée, donc ce n'est pas bien pour elle. Donc elle dit, mais moi je suis capable de faire ce que je suis capable de prendre soin de moi et je sais mes limites, je veux respecter. Elle est frustrée, elle est stressée, mais elle va continuer à marcher tous les jours, 5 minutes, 10 minutes, puis elle dit, je sais ce que je dois faire. Plus le mari voit sa femme est en train de marcher, puis elle est fatiguée, puis il dit, elle ne prend pas soin de moi, elle ne prend pas soin d'elle, donc elle ne connaît pas ses limites. Donc il est inquiet, je suis son mari depuis 27 ans, je dois prendre soin d'elle, mais il va la surprotéger. Plus il la surprotège, plus elle continue, puis on a un comportement, un soutien qui va devenir néfaste. Jusqu'à date, il n'est pas néfaste, il est un peu stressant, mais il faut briser ce comportement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suscité leur réflexion afin de trouver des moyens aidant à briser ce pattern. Donc, j'ai demandé au conjoint comment la patiente peut le rassurer. Donc, il a dit, je veux à chaque fois qu'elle fait quelque chose, qu'elle m'avise comment elle est. Puis, j'ai demandé à la patiente comment elle peut rassurer son conjoint. Elle a dit, je veux respecter mes limites. Si je ne me sens pas bien, je veux arrêter, je ne veux pas continuer à faire les activités. Puis, j'ai identifié avec le couple les activités pour lesquelles la patiente peut les faire, puis qu'elle soit autonome et sécuritaire. Troisième question pour évaluer quel type de soutien social elle reçoit de ses proches. Comment vos proches peuvent-ils vous aider le plus? Elle a dit qu'ils m'encouragent, ils me donnent des conseils, ils m'emmènent chez le médecin, à l'hôpital, ils augmentent mon moral quand je suis un peu parfois triste, déprimée, qu'est-ce qui s'est passé avec moi. Donc, on sait qu'il y a un réseau de soutien. Je voulais voir avec la patiente à qui elle peut aller chercher ou demander de l'aide s'il y a épuisement de son réseau de soutien ou même d'aller, j'ai offert la disponibilité des services, les services disponibles au CLSC afin d'éviter l'épuisement de son réseau de soutien. Parce que parfois, il ne faut pas attendre que le réseau de soutien soit épuisé pour les référer. Puis pour savoir qu'est-ce qu'elle a besoin maintenant durant ma rencontre, qu'est-ce qu'elle a besoin le plus comme soutien social, de quel soutien auriez-vous le plus besoin maintenant? Madame et monsieur, ils ont dit, on a besoin de savoir c'est quoi l'insuffisance cardiaque, c'est quoi le pronostic, est-ce qu'on peut reprendre l'activité physique, est-ce qu'on peut faire des exercices, est-ce qu'on peut voyager. Madame, elle veut savoir, est-ce qu'elle peut aller visiter sa sœur à Ontario? Est-ce que je peux reprendre ma relation sexuelle? Je m'excuse, ma bouche est plus sec. Puis, comment gérer mon stress? Donc, j'ai donné l'information en regard ses besoins d'apprentissage, l'insuffisance cardiaque, l'activité physique, la reprise de l'activité sexuelle. Puis encore, j'ai donné l'information en regard l'essoufflement qu'elle sent au début. C'est normal, que ce n'est pas parce que son état est en train de se détériorer. Puis, j'ai démontré à la patiente, j'ai suscité sa réflexion seulement de voir comment elle était lorsqu'elle a quitté l'hôpital, puis comment elle est 3 à 4 semaines après son congé pour qu'elle voie l'amélioration de son état, puis ceci, ça va la rassurer. Je m'excuse.
Puis, troisième chose que j'ai fait, puisqu'elle a dit j'ai besoin de voir comment je peux gérer mon stress, mais j'ai exploré avec madame des moyens aidant à faire face à son stress. Donc, elle a dit je veux essayer de chercher de l'information du médecin, des professionnels, les infirmières. Je veux avoir toujours une pensée positive, regarder que je prends mes médicaments, j'applique les recommandations de mon médecin, puis les infirmières, puis je veux voir toujours comment je suis, que je m'améliore, que à chaque fois je marche un peu plus, donc c'est une amélioration de mon état. Puis il y a le soutien de mon conjoint et de mes proches. D'autres moyens pour évaluer le soutien social, je vous ai mis plusieurs instruments, 5 à peu près, mais il y a d'autres. Mais je ne veux pas les nommer, je ne suis pas bonne à lire en anglais, mais on voit que tous les instruments, c'est pour évaluer les ressources de la personne en posant la question si vous avez besoin d'aide, à qui vous pouvez demander, qui peut vous aider, puis est-ce qu'ils sont satisfaits, donc leur perception de leur soutien. Si c'était à refaire, on regarde le pattern circulaire. Oui, j'ai mis plus l'accent pour la femme, mais j'aurais pu demander au patient, au conjoint, c'est quoi sa croyance à lui, sa perception en regard l'activité physique, parce que il l'empêche de marcher parce qu'elle est essoufflée un peu, elle est fatiguée. C'est pour ébranler sa croyance contraignante. Puis encore, au lieu seulement de vérifier le réseau de soutien de la patiente, mais de voir encore c'est qui le réseau de soutien du monsieur, puis à qui il peut demander l'aide, puis comment il perçoit son soutien. Parce que s'il n'a pas un soutien, c'est pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, puis s'il a un soutien inapproprié pour aider à améliorer son réseau. Donc finalement, c'est important d'évaluer le réseau de soutien d'une personne, puis surtout la perception. Parce que même si j'ai 10 personnes avec moi, puis moi je perçois qu'ils ne me font rien ce que moi j'ai besoin, mais ça ne va pas aider. Puis on sait que le soutien social peut avoir un impact positif, mais il peut être encore négatif.